Good morning, allez, Iden, ce sera aujourd'hui le Nishmat Richaron, Ben Fortune Mazal, Claude Israël, Ben Fortune Mazal, Dan Miriam, Batelisa Sayak. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude, Mishnah, 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Souka, Perek Aleph Mishnah Yud. Bait Chenifrat Vesiker Al-Gabav. Imiashmina Kotel La Sikur Arba Amot, Psula. Lechen Retzer Shil Mukevet Arsadra. Souka Gdola, Sheikifua Bedavar, Shem Sakrinbo. Mishnah relativement simple, on a trois cas de figure qui vont exprimer le même principe. Le principe est très simple à comprendre. Le seul problème, c'est que si vous vous souvenez du cours précédent, ça fait une contradiction très violente qu'on va bien évidemment expliquer. Et je traduis directement. Bait Shenifrat, une maison qui a été réduite, c'est-à-dire en fait le toit, il est tombé. Au milieu, en plein milieu de son salon, il a la moitié de son toit qui est tombé, qui s'est effondré. La moitié, un beau carré, quoi. Mais le principe, le problème qu'on a, en fait, c'est que... donc, il a un trou parfait, il va mettre là-bas du srach. Le problème, c'est que le srach, il ne va pas toucher le mur. Directement. Il va être éloigné du mur, puisqu'il n'y a pas tout le plafond qui est tombé. Donc, on a le mur, un bout de plafond, et puis le trou qui va remplir le srach. Et la question de savoir, elle est-ce que maintenant, je considère que le srach, il est relié au mur ou pas? Même principe que la Mishnah précédente, on en parlera après. Pour le moment, je me concentre sur la Mishnah et j'enseigne la halakha. Je vous donne un principe très simple. C'est qu'en réalité, jusqu'à 4 amot, pas de fachim, jusqu'à 4 amot, une ama, c'est une coudée. Jusqu'à l'équivalent de près de 2 mètres. Faites 48 fois 4, ça va faire 1,90 m. À peu près quoi? Ben, on considère que c'est bon. Tu as ton srar qui est relié au mur. Et même si c'est des quatre côtés comme ça, en fait, donc tu avais un salon de, allez, on va dire, donc de 2, tu avais de 6 mètres sur 6 mètres, un carré, un peu moins, d'accord, prenez 5,50, 5,50, comme ça on est plus sur le truc, tu avais presque 6 mètres sur 6 mètres, un salon gigantesque, en plein milieu du salon, on a un carré de 2 mètres sur 2 mètres qui est tombé. Ouais, ou bien ça, on l'a enlevé, c'était amovible, on l'a ouvert, on a mis là-bas du srar, et ben, on considère que tu as une super souka. Tu as ton toit, tu dors, tu dois rester en dessous, attention, tu ne vas pas à côté, tu restes en dessous de ton srar, et tu étais dans une souka. C'est le principe qui exprime de quatre manières, de trois manières dans la Mishnah. Je vous expliquerai après c'est quoi les trois manières. On les redécouvrira, mais d'abord je préfère m'attarder sur le principe. Ça contredit la Mishnah précédente. Parce que la Mishnah précédente, on avait dit, très bien introduit qu'une souka, ça ne suffit pas d'être sous un toit. Il faut être sous un toit avec des murs, il faut des murs et un toit. On avait appris que si tu as écarté le mur du... le srar du mur, de plus de 3 tefars. 3 tefars, ça veut dire 36 cm. 30 cm. Tu les as écartés, tu as un trou, tu n'as plus de mur. Ça s'appelle, tu as un toit et tu as un mur qui n'a aucun rapport entre les deux, donc tu n'as pas de mur sur ta souka. Une souka, elle doit avoir trois murs et un toit. Et si tu écartes de trop ton mur, il n'a plus de rapport avec ton toit. Donc, ce n'est pas un mur de souka. Ça, c'est le principe qu'on a vu dans la mission précédente. Maintenant, on te dit, mais tu sais, si toutefois, tu as un trou en plein milieu de ton salon, donc de 2 mètres d'écart, de tous les côtés, avec en plein milieu de ton salon, tu as un trou. Là, ta souka, elle est kshira. Mais pourquoi? On a dit qu'il fallait un mur. Et la réponse, c'est qu'il y a un mur. Qui a dit qu'un mur, ça doit être droit? On peut faire un mur aussi en forme de dôme. On peut faire aussi un mur en forme de dôme carré. Jusqu'à 4 mètres, on considère que c'est ça, un mur. Au lieu d'avoir un mur qui était tout droit, ou d'avoir un mur qui était penché, tu as eu un dophen akuma. Tu as eu un mur tordu. Comme si tu as eu un mur... qui se court, qui est comme un dôme, comme ça, enfin qui... Ouais, Rashi rapporte dans dôme, dans la Gemara. Dophen Akuma. Et le principe, en fait, donc, la réponse, elle est que il y a un mur. Le mur, c'est parce qu'il y a 2 mètres. Le mur, c'est ce qui est tout de suite. Le srach, il touche depuis tout de suite le mur. Et ça peut faire que le mur, il a une forme comme ça, qu'il est courbé. C'est le principe, c'est une halakha la Moshe Sinai, que ça marche. Donc, si tu vas mettre ton mur courbé et tu vas écarter de 3 tes phares, c'est plus bon parce que tu as fait un trou. Ton srach, il est plus relié au mur. Mais si ça touche, ton srach, il touche le mur courbé. Ok? C'est le principe qui est exprimé de trois manières dans la Mishnah.
Premièrement, avec donc ton plafond qui s'est effondré. Deuxièmement, c'est qu'en fait, c'était fréquent dans les maisons d'époque, si vous allez vous promener dans le vieux Miacharim ou le vieux quartier d'Yerushalayim, c'était, vous savez, il y a des maisons, c'est fréquent d'arriver, on arrive en fait dans des maisons qui sont en forme de U, des immeubles qui sont en forme de U, où en fait, il y a des gens qui habitent en bas et des gens qui habitent à l'étage. Pour aller à l'étage, il y a des escaliers, comme des balcons en fait, des balcons, mais ce n'est pas des balcons personnels, c'est des balcons. C'est les couloirs du binyan, de l'immeuble. En fait, qui sont comme ça, quoi. Pour monter à l'étage, tu montes à l'étage, tu marches sur un long balcon découvert pour entrer dans ta maison. C'est ceux qui habitent en haut. Ça s'appelle des harsadra. C'est en fait des balcons. En fait, on a une cour d'un immeuble qui était construit en forme de U, où il y avait là-bas des balcons. Et ce qu'ils ont fait, pour ne pas se rendre la tête, ils avaient des balcons maintenant qui faisaient jusqu'à 4 amot, un peu moins. Donc 3 amot et 90. Donc l'équivalent un peu moins de 2 mètres, 1,90 m. Ils ont fait sortir des très grands tasseaux, ils ont mis un srar dessus. De nouveau, puisque maintenant ton srar il va être relié au balcon, et les balcons ils ne font pas encore 4 amot, ça s'appelle que tu as un mur comme ça. Et encore troisième éventualité, c'est que tu as construit une soukha. Alors là, c'est là le top. Vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on avait dit que c'est donc ce qu'on a dit. Si tu avais ton srar qui était trop court, tu avais prévu une souka de 3 mètres sur 3 mètres, et le vendeur il t'a donné une souka avec un. Il t'a donné un srar qui faisait 2 mètres sur 2 mètres. Tu te retrouves maintenant que tu as beau le tirer dans tous les sens, tu t'en sors pas. Tu as une solution extraordinaire. Mets ton srar, pose-le même si tu veux au milieu ou mets-le d'un côté, pour compléter les trois murs, va chercher du srar pasoul, va chercher du fer, va chercher des chaises, va chercher ce que tu veux, quelque chose qui n'est pas du bon srar, et mets-le, remplis le trou avec du srar pasoul. Et maintenant que tu as un srar pasoul, alors ne t'assois pas en dessous, parce que ce ne sera pas la souka, mais ce sera un mur de souka. Et dans ce cas-là, c'est toi dans la partie permise. Tu vas rendre kasher ta souka en remplissant le trou avec un srar pasoul. Tu vas prendre du srar, quelque chose qui fait du srar, tu vas prendre du fer. Et c'est-à-dire, tu avais un trou, c'était pas kasher, tu as mis du srar pasoul, c'est devenu kasher. Extraordinaire. D'accord? C'est les trois cas de la Mishnah, on fait ça dans les mots. Bayit shenifrat, une maison qui sait que son toit est tombé. Vesikech al gabav, et il a rempli ce trou-là avec du srar dessus. La Mishnah m'enseigne, imyashmina kotel la sikur arba amot. S'il y a du mur qui est là-bas, jusqu'au début du srar, un morceau de toit qui est resté, qui a une longueur de plus de 4 amot, de 4 coudées, donc 2 mètres. Si une coudée fait 50 cm plus ou moins. Alors là, mais jamais dit, psoula, ta soukha, elle est invalidée. Mais si c'est moins, c'est kasher. Vechen chatser, shehimo kefet arsadra. Idem pour une cour qui est entourée d'une arsadra. On a dit arsadra, c'est le balcon. Et quoi? Et il manque la suite, comprends tout seul. Il a relié les balcons avec des tasseaux, il a mis du srar dessus. C'est kasher, tant que les balcons ils ne font pas 4 mètres. Ou encore, soukha gdola. Il y avait une soukha qui était gigantesque. Mais quoi? Shikifua. Mais d'abord, Shem Sakrinbo. Mais sur le contour, ils ont pris du srar qui était pas avec du srar qu'on ne peut pas le recouvrir. Ils ont voulu faire une soukha. Bon, peu importe. Ils ont fait tout le contour, ils ont mis du srar qui n'était pas kasher. Ouais, ils ont voulu prévoir le coup. On était dans un endroit où il y avait des risques de pluie. Ils ont dit, viens, on va quand même mettre du plexiglas sur les côtés, comme ça, s'il pleut, on se met vite sur les bords, comme ça, on ne prend pas tout dans la tête. Alors la Misha me dit, bah, écoute. Donc c'était Souka Gdola, il avait une grande Souka. Shikifua Bedavar Shen Vesekrinbo. Il a fait le pourtour, le contour, en rajoutant du srar qui est inapte à être un toit de Souka. Alors la Mishnah me dit, Imyesh Tartavar Bahamot, s'il y aura en dessous dans cette partie la 4 amot, psoula. Mais s'il n'y a pas 4 amot, la Souka est kshera. Toujours j'insiste, tu ne t'assois pas en dessous. Tu t'assois dans la partie où il y a le srar. Parce que plus de 4 tefar, plus de 4 tefar, 4 points. Donc l'équivalent de 40 cm dans le srar, c'est devenu maintenant que là-bas on considère qu'il y a du srar pasoul, tu ne peux plus t'asseoir en dessous. Mais malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui va invalider, si toutefois tu as d'autres conditions, c'est le seul principe. Si c'est proche du bord, si c'est proche du bord donc du mur, eh ben, ce n'est pas quelque chose qui va invalider la souka. C'est considéré que tu as un mur qui est couché encore. Au lieu d'avoir ton mur qui monte droit, tu as pris un mur qui était courbé, tu peux t'asseoir dans la partie qui est sous le srar, et ça marche. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.